Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinai pour un nouvel épisode de... Bonsoir. J'allais dire de Darkest Donjon, mec. De War Tales. Non, de War Tales. Non, Darkest Donjon, jamais les gars. Pourquoi on a 3 forces et coups critiques sur... J'ai des bombes sur moi, j'ai des trucs sur... Je sais même plus à quel jeu je joue. À quoi on joue? Il me semble Darkest Dungeon. Mais pourquoi Pourquoi le Japon? J'en sais rien. J'ai un bouclier cloche là. Pourquoi il est pas mis sur l'autre débile? Ah, ce que je suis en train de jouer avec tes petites grenades. Mais oui, c'est pour ça. Je t'ai fait un nouveau stock de grenades. Oui, des nouvelles raisons de s'amuser. Je sais même pas ce qu'il fait, mais on verra. De nouvelles raisons de faire des dingues. Attends. Est-ce qu'on a apporté les iris des neiges? C'est fait. Au prêtre. Tiens, d'ailleurs, il y a un prêtre qui a besoin de parler. Tiens. Did you drum some sense into those scoundrels? Blessed be the all-seeing eye. Alors qui qu'on a battu, s'il te plaît? On a dû rouler sur le pays entier, mec. Bah, on leur a donné à réfléchir sur leurs actions. Moi, je veux pas dire mon papy, mais tu devrais pas trop nous féliciter parce que si tu regardes bien autour, il y a que des cadavres. Apprendre la spécialité hallebardier requiert 200. On a ce qu'il faut, vas-y. Mais c'est apprendre sur qui? Bah en fait c'est débloquable, comme ça on peut l'apprendre sur n'importe quel hallebardier. Je sais pas, ça clique sur un truc, là j'ai hallebardier affiché en grand, c'est toi non? Ah non. Attends. Ah oui, c'est parce que t'as fait prévisualisation, je m'en fous, prévisualisation, rien du tout, donne. Voilà, des bisous. Eh, y'a un livre là, j'ai jamais lu le livre. On n'est jamais rentré dans cette église, je te signale. Sérieux? Ouais. Donc les compagnons de Géru tremblèrent de peur à la vue de la bête. Ils n'essayèrent même pas de la combattre, car tous savaient qu'aucune arme terrestre ne pouvait vaincre la créature. Lire. Alors Géru s'avança vers le monstre, armé seulement de son bâton de marche. Il tendit les bras vers le ciel et appela l'œil divin par 3 fois. Au 3e appel, le dieu de la lumière répondit. Il frappa la bête de son châtiment, reconnaissant la puissance du très grand dieu, l'infâme, s'en retourna dans les ténèbres et libéra le chemin du guide. C'est beau, putain. C'est beau. On les a tous vus de toute façon ici, non? Je crois qu'on n'est jamais rentré dans ces églises à la con. Mais t'es sérieux? Ok. Ah oui, c'est celle du village. On n'a jamais foutu les pieds là-dedans. Non. À Saint-Septime? C'est dans une autre licence, ça, méfiez-vous. C'est ce que j'ai à faire, ça y est, on est dans Skyrim, bordel de merde. Il est bousqué, il m'a gueule en moins de 2. Oh putain, je viens de voir un truc. De quoi? Regarde combien on a d'étoiles. Oui, on est bien chargé, non, on est bien. On est très bien, c'est pour ça qu'il faut choisir vraiment de ce qu'on fait prudemment dans la vie. Que faisions-nous précédemment et prudemment dans la vie? Aller au marché, voir si on pouvait acheter des trucs. On essayait de boucler ce scénario, je crois. Aussi. Alors on a déjà vendu des trucs visiblement. Je suis en train de checker s'il n'y a pas d'autres trucs fouilles à vendre. J'aime épice tout ça, donc on vient de récupérer ça. Donc en gros ça veut dire qu'on vient d'arriver. Ouais. Si je sais. Ouais, on vient de. Oui, carrément. Oui, les commerçants, ok, pas de soucis. On a joué à la taverne. Il me semble, ouais, on peut aller regarder. Je sais même plus ce qu'on a fait. Vraiment, je suis le pire. Hein. Ouais, on a joué. Nous avons joué, nous avons souqué les Artimus. Est-ce qu'on a pris des contrats ici? On a Maraïm en fourrure, Stromcap en fourrure, faut qu'on apporte de la fourrure. Mais ouais. Des fourrures, on en a pas assez. Ouais, et idéalement, faudrait aller à Maraïm, honnêtement. Parce que fourrure, on en a 4. Ouais. Il faudrait aller à Maraïm, certes. Bah, plus cher, hein. De peu, et surtout, ce sera majoré, quoi. Ouais, mais on peut... J'étais en train de me dire, vu qu'il faut faire des contrats un peu partout, machin, blabla, patacoufin pour faire apparaître des quêtes super spéciales, pourquoi pas se prendre une petite meute facile, leur casser le cul tranquillement, vu qu'il n'y a pas trop de gardes dans la région, et on repasse récupérer les fourrures jusqu'à qu'on en ait 8 et on se tire. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, ok, ça peut se faire. Attends, je crois que c'est ici qu'on a fait le comment ça s'appelle? Le comptoir. Non, c'est un Stromcam, je crois. T'es sûr? Non, c'est ici. Hein. Ah, c'est ici. C'est ici? C'est ici qu'il le fait, ouais. Bah, je te propose de poser tout le bordel qui est lourd. C'est-à-dire?
Bah, tout le bordel qui est lourd, puisqu'on va forcément et incessamment revenir sous peu. Donc, si, comme les marchandises, et ça prend pas mal de place. On est en train de se vider un peu et on peut récolter un peu tout ce qu'il y a sous... Oui, bon, de toute façon, on avait encore pas mal de place. Hein. Oh, on a beaucoup de sel. Mmh. Oh, ça me fait plaisir, ça. Je mets la scie acadienne. Hein. Oui, oui. Ça nous prend pas mal de place. Et idéalement, on faudrait... a plus de cochons pour faire des... Ah, il y en avait dans le marché. Ouais, mais on n'en achètera pas. Oh là là, on va... On vide les stocks un peu. Enfin, on essaye, parce qu'on est quand même à 32 jours de bouffe, donc... on a plus d'un mois de bouffe en réserve. Hein. Ouais, ouais. Et le Kisto est toujours sous pression en disant « Je sais pas ce qu'on va manger !» Ah, d'accord. Bah, je sais pas, ce qu'on a, hein. Ce qu'on a un petit peu. Bon, bah, moi, et pas mal, je dirais. Hein. Je dirais que c'est pas mal. On lui prend sa quête de casser le cul à un sbire, là. Facile. Ouais, et il faut qu'on aille au château de... Comment il s'appelle l'autre Pas Vernalis, Lineheart. 430 dollars. On leur casse le cul. Hein. Ouais. Allez, hein, on y va. Hein. Si Lineheart, c'est le château au qui sud. Est. Au sud. Au sud, ok. Ouais. Allons-y. Mais on sort pas maintenant. Pas maintenant? Ah non, il y a des gardes juste à côté. Il y a des gardes juste à côté. Tirons-nous d'ici. Tu vois les petites gardes là? Oui, je vois la petite garde. Tu veux quoi? Tu veux qu'on aille taper d'abord les sbiriotes à gauche, traverser la petite île, taper des gens ou alors, on va vers le château de machin. Je te propose de prendre le château de Lineheart, okay. Parce qu'il me semble que la quête c'est aller dans le campement, dans le camp déguisé, dissimulé, déguisé. Puis je suis perdu moi. Fait pas très beau. Son château à l'autre là. Un peu plus au sud. Sur la gauche là. Tu regardes le sud. Ça y est, il apparaît. Il y a une forge si jamais tu. On va voir forgeron vite fait. Toujours aller voir forgeron. Forgeron, j'ai soif. Du charbon pas cher. On a du bois tout le temps donc. Ouais, c'est pas fou. Pour l'instant, on n'a pas de. Combien on a de matériaux? Matériaux, t'as besoin ou pas? Ah, moi j'en ai pas du tout. Donc, vas-y. Ah, si. J'en ai 37, pardon, j'en ai 37. J'en ai 13. Hop, c'est dans la poche. Ça en fait donc, ouais, bah 33 chacun, ça fera 70. Voilà, allez, complète. Light. Il y a de la picole à chourer, hein. Ouais, non. La bière m'intéresse beaucoup, si jamais. You are going to accompany me. Hidden amongst you, I will look like a mere mercenary. Bah c'est la dernière quête. Et bah allons-y. We will then attack. Good. One more thing. It will be best if. Et tu vois, c'est juste au-dessus de mais la attends, quête. Mais attends, pourquoi on a pris la quête de la Hearth? Parce que il en a pas Vernalis, l'autre. Il en a pas. Ah, du coup, on va faire gagner le fils de pute? Non, on a fait une quête pour lui seulement. On a fait deux quêtes pour le. On a fait deux quêtes pour Vernalis et on n'a pas recruté de déserteur pour la Hearth. Garde. De quoi? Garde. Ah ouais, effectivement. Elle c'est la merceuse. Du chanvre, voilà. Elle c'est la merceuse qui nous filait un trésor. Ah on va prendre le pont là-bas. Ok. Ouais, ou alors on peut aller casser le cul à des mercenaires là. Non, on le fait tout le temps. Allez, traversons le pont invisible. Il est toujours invisible. Hein. Ouais. Attends, on peut essayer d'aller pêcher aussi. C'est vrai. On n'a pas de stock. C'est hein. Vrai. C'est vrai qu'on n'a pas de stock. C'est le cuisinier qui l'a dit. Hein. Ouais, le cuisinier. Il n'y a pas de poisson. Hop, on peut partir. C'est... On a pêché il n'y a pas très longtemps. Ouais, mais bon, je suis toujours pas maître. Hein. Regardez Jésus! Voilà. C'est bien cette petite zone, il n'y a pas trop de gardes. Hein. C'est carrément bien.
Regarde, en plus, il y a nos victimes sur le... Ah, c'est endormir. J'avais même pas fait gaffe. Ok, bon, on se glisse des trucs qui servent à rien dans le buffet. Voilà, hop, descends-moi ça. Hop, on se met une bûche. Point de bravoure max. 62 sur 58, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un petit peu too much. On peut se claquer de ça. Ouais, on a pas mal de merdouilles aussi qu'on pourrait écouler en vrai. Une saucisse comme ça. 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 Et on est bien. Tirailleuse et Stevie ont gagné beaucoup d'XP. Enfin, 200, c'est même pas énorme en fait. Hop, je te remonte le chanvre. Hop, le plat de bon bec. Ah, j'aurais pu glisser un plat de bon bec. Bon, on se glissera ça une autre fois. Ah, voilà. Osdeborn n'a plus rien à faire et on a un capitaine qu'on peut placer genre là. Plus rien à faire, ok. Un capitaine qu'on peut placer où? Là, le capitaine Ost... Otest. Ostet. Ostest. Bref, il m'emmerde. C'est qui lui? C'est le gars qu'on doit escorter jusqu'à... T'es un mec sympa. Bah on le... Ah oui, on peut peut-être le mettre lui plutôt à dormir. Ouais, si tu veux. Je sais pas s'il rentre, il rentre là-dedans. Pour amener peut-être... je sais pas. Tiens, Mavic pourrait être pote avec le gros, là. Tout le monde est bien être pote avec le gros. Ah mais non! Pour mettre Mavic au banjo, gagner un point de volonté. Yeah! Je replace le gros en extrémité, parce qu'il est gros. Tu sais que c'est vachement bien d'avoir un point de volonté supplémentaire sur tout le monde? Oui, bah trop, on déclenche notre galvanisation. On déclenche notre galvanisation plus vite, bien sûr, aussi. Bien sûr. Yeah. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on avait plein de gens à l'artisanat, on était un peu keblo, tout ça. Ouais. On peut... bah, ça y est, on a roupillagé. Bah oui, on sait, on a roupillagé. Ouais, on peut sortir. On peut se tirer. On peut faire comme dans l'infanterie, on se tire. Ouais. Cours. Ouais, mais sur les routes. Une route. Oui, on est des bandits de grand chemin, vous savez pas? On aime courir sur les chemins. Ah, qui disait même qu'on est des bandits de la grande route? Ah, cochon à droite. Oh. L'autre droite. Ouais, ouais, on les esquive, on a pas besoin d'eux. Alors regarde, on va se taper des mecs qui ont des ours. Voilà. Oh, ils ont des sangliers, des loups, un ours. Pff, ouais, ça va. Ça va la liste. Ça va, souple. Mince. Bah tu sais quoi, en difficulté supérieure, moi j'avais déjà des gars là. Là j'ai déjà des types. Ils ont des renforts tout le temps. Ils ont 3 ou 4 personnes en renfort, mais ils ont 3 ou 4 personnes en renfort supplément à chaque fois. Ce qui est pas toujours très cool. Non, pas vraiment. Je regarde un peu les équipements qu'ils ont. Ils ont moins de stats que contre moi en vrai. Ça va. Ça va, ça va. On peut tous se mettre à droite. Si on veut. Ok. Alors, droite. Là. Ok, là où il y a tout ton crew. Tout le monde ne rentre pas. Hein. Ah bon? Bah, il reste 3 places, il y a 3 places. Il reste 3 places. Ah putain, j'avais pas vu ma vigue. J'ai 4 gars au moins. J'avais pas vu ma vigue. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas un os de bord qui veut aller masser? Est-ce qu'il y a pas un os de bord qui veut aller masser? Oui, on va lâcher un os de bord dans solo cul. Par contre, le capitaine, voilà, on va mettre mon beau mur au milieu. On peut mettre un Stevie en par là. Je peux même mettre une Sophia un peu avec os de bard pour éviter qu'il soit solo queue. Je peux prendre une Mavic et la mettre par là. Non, non, je peux la garder là-haut, hein, y a pas de souce. Y a la place pour. Hein. Je vais avancer ça, tirailleuse là, Edenal un peu plus près. T'as une place un peu derrière si tu veux. Bah, soit je te recule Mavic pour que tu puisses mettre quelqu'un dedans, sinon ça sert à rien. Ah, bah écoute, Ah, j'ai pris la place de ma vie. Pas de soucis. Hop là, elle est partie. Bon bah c'est type hein, mes connards. Hein. Lui, il attend quelqu'un ou il m'intéresse pas? Il m'intéresse pas, parfait. Je prends un gros. Je déplace un gros. This is a big man.
Oh, on peut se faire ça, hein. Pourquoi ça a pas touché l'autre con devant? Au début, il m'avait dit ça a touché tout le monde, bâtard. Et en fait, ça n'a touché personne, culé. D'accord. Je me suis fait arnaquer. Arnaquer. Ouais, t'as plus de dégâts que mes persos, hein. Tiens. Bah d'où? Je vois pas, moi. Ouais, t'es niveau 9, problème, c'est vrai. Hein. C'est vrai que t'es niveau 9, toi. Oh là là. Ah bah, il fait partie du crew authentique. Ouais. Des mecs véritables. Les premiers hommes. Ouais. J'ai mal joué. Ah, je t'ai pas montré. Ah, oh, j'ai oublié de te montrer. J'ai très mal joué. Je vais faire ça. Et je vais l'embrouiller. Comme ça, au moins, il l'affaiblit, il me fera moins mal. Et on a été remboursé. En partie. Ah, lui, il annule de force aussi. Le capital, on a pas trop besoin. Je peux saucer un Taurus, par exemple, pour chauffer tout oui, le monde. Oui, vas-y, fais un petit Taurus. Hein. Il fait un petit chauffeur de salle, là, comme ça, vite fait. Vas-y, ambiance nous. Avec qui il est pas ultra ami, quasiment tout le monde, je pense, mais... Ouais, c'est le cuistot du groupe. Tout le monde dit ah, quoi que non, c'est pas le plus... Qu'est-ce que t'as... Ah oui, la corrosion. Corrosion, ouais. Comme ça. Corrosion, moi, j'aurais peut-être dû taper à la hache avant, non. Perd 15% de son armure maximum à la fin de son tour. Ah. J'ai mis qu'un seul coup de hache, le monsieur il est tombé, c'est pas moi. Voilà, je vous jure. T'as pris une fureur derrière. Hop, je vais là. Il y a pas de raison que je lui rentre pas mon attaque de base. On est beaucoup trop stuff pour cette région. Ça craint. Voilà. Il est engrainé, frère. Tu fais ce que tu veux. Ok. Tu vois, on va jouer Mélanine. Ça fait longtemps. Vas-y, hein, y a un ours à buter. Hein. Tu peux y aller. Ah, ils ont un archer quand même. Leur chef est une archère quand même. Ou un archer, je vais pas regarder. Mégafa. Ouais, Mégafa, c'est bien ce que je me disais. Mégafam, elle s'appelle. Non, pas Mégafam. En vrai, je vais tenter un critique avec Zinlen. Sur l'ours, le nounours. Bah, si tu joues Zinlen, l'idée c'est de l'avancer un max. Putain, Zinlen est toujours trop en arrière parce qu'il a pas de move. Ouais. C'est de l'avancer un max, d'ailleurs même pouvoir courir à la limite devant l'ours. Hein. Pour pouvoir brochette tous les gens qui vont courir là. Il y a deux hachistes qui vont courir. Hein. D'abord, et un loup. Ça. Et ça. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Allez, une flash au corps à corps entre les deux yeux. Voilà, 147, c'est toujours intéressant. Une deuxième. 82. Mm-hmm. Et on va couvrir là où il y a hausse de barbe. Ouais, peut-être un petit peu trop à gauche ton truc quand même. Parce que je ne viens pas que t'es couvert un peu trop la bosse. Peut-être. Alors. Ouais, tu peux. Ouais, ils vont planter à jeûner, hein. Alors. Normalement, dégâts doublés. Ah. C'est saignement. Quand tu saignement. C'est ça que tu voulais dire. Ouais. Mais il n'y a pas eu de critique, je suis un peu dégoûté. Ah, t'as que 45% de coups critiques, hein. C'est pas. Pas des masses, hein. Un couteau. Deux couteaux. Un autre couteau. On va aller se mettre là. Je peux rester sur le côté en fait. Comme ça, il est encerclé. Oui. Toujours 10% de dégâts supplémentaires. Hein. Exactement. Pas... Aussi, prochain. Oh, elle recule. Prochaine mise à jour importante de Wartale. Il va y avoir la difficulté extrême. Donc ça veut dire que les mobs vont avoir une meilleure intelligence artificielle. Est-ce que tu veux placer un... Bah moi soit je vais taper avec ma fifi sur le nours pour en fait avoir un pack pour qu'ensuite mon mur il puisse faire ouais, donner des points. Donner des points, ouais. Sinon il n'y a pas d'utilité réelle. Je l'avance ou tu veux jouer quelque chose? Ouais, vas-y. Fais. Voilà.
Je vais le t'embrasser de base. Étonnamment, l'ours a plus de force que moi. Pas beaucoup, 71 à 79, bon, ça n'a pas grand intérêt. Mais... Il a pas beaucoup plus Taurus de force. Taurus et Mavix, ah, c'est bien ça. Putain, par contre, ça meurt pas. Il devait mourir, hein, mais c'est un ours. Bah oui, mais il est à zéro. Mais c'est un ours, c'est un ours. Ils lui ont enlevé la moitié de sa vie, bravo à eux. L'ours n'est toujours pas mort. Hein. Et il a retrouvé la moitié de sa vie. Ouais. Wow. Si jamais avec Edenal, ça peut être pas mal. Alors avant que l'ours joue, évidemment, idéalement faut tuer l'ours. Mais ne pas oublier que ça serait cool que tu puisses aller à l'ours, faire une course pour être collé à Totorus. Et shooter entre autres bah, le gars ou le futur gars qui est pas encore dedans. Peut-être attendre que le dernier se déplace. Ah oui, non, mais il sera jamais dedans. Il se déplace pas si vite. Le loup, par alors, contre. L'ours, je le bute. Ah, vas-y, hein. Régale-nous. Hein. Ouais, désolé pour les points, mais je le bute. Non, non, pas de soucis. On note que je n'ai pas fait un seul coup critique. Si, t'en as fait un. Un sur les trois, alors que j'ai dans le dos. AS 60. Quasi, ouais, c'est ça. Je crois que t'avais 100%, t'as pas 100% en fait, tu mens. Si, j'ai 100%, j'ai 100%. Dans le dos, si. Visiblement, tu mens. Bah, tu peux faire un petit ordre là-dedans. Bah, j'allais le faire sur mon mur. Ah oui, pas mal, pas mal. Très très bonne initiative. J'aime mon mur et mon mur et les deux lieutenants. Enfin, les deux de l'ancien. Et je vais rester. Idéalement plutôt vers Taurus. Parce que mon mur va s'avancer de là-dedans pour avoir un maximum de mecs. À... Parce que ça a l'air de rien, mais s'il se met à la place de l'ours, il y a déjà 4 personnes. Donc, si tu vas là-bas. Okay. Idéalement, ouais. Ça me ferait dépenser un point, donc non. Ok. Vas-y. Bah, si tu veux bien jouer Dénal, avancer Dénal et te mettre au niveau de l'ours ou tirailleuse ou quelque chose comme ça. Quoi ? Tirailleuse ? Par là ? Non. Bah. Ok. Enfin, pousser le connard qui est dans la zone, que Zinlen le tue, tout ça quoi. Enfin... Il le tuera avant hein, le Edenal. Oui, enfin, oui, ou tu le tues tout court, peu importe. Ou tu le laisseras tirailleuse dessus, j'en sais rien. Enfin, tu te places, tu bouges quoi. Bouge ton cul. Ouais, je vais bah, générer un point. Et non, non, mais non, ouais. Parce que sinon, tu pouvais quand même avancer et tabasser l'autre avec son étoile au-dessus de la tête là. Non, j'avais une chance de toucher tout le monde. De toucher qui? Tout le monde. C'est très bien ça. C'est une excellente idée. Allez, vas-y. Va donner du point de tour. Clic droit, puis clic gauche, voilà. J'ai tout le monde. Parfait. Tac. Et et bien, mets la 9. Voilà. Je sais pas combien t'as fait, mais t'as fait. On est full. Un certain nombre de trucs. Ça sert à rien que je cours, puisque j'aurai plus de move quand même après ça. C'est ça. Ça ne sert à rien. Fureur riposte, ok d'accord. Tous poser leur zone hein, parce que c'est un peu gratos. Ouais. Quoique lui, ce qui pourrait être rigolo, c'est. Je peux pas me caler entre les deux. C'est chaud. Hein. Voilà. Pas mal, ouais. C'est pas mal comme choix. Pas mal comme choix, pas mal. Du coup, Dénal, ta coutelière et Zinlen sont boosted. Et ça, c'est beau. Ouais. Vas-y, claque du poing, on est plein. Ok.
vite tout. Mais pas dans les gens déjà morts, on s'en fout. Hein. Le loup, par exemple. Genre, le loup va nous poser des problèmes, si tu veux bien l'éclater. Par exemple. Ou le coureur. Parce que le mec qui va se faire tuer par Zinlen, bon, c'est pas très intéressant. Je voulais faire un truc, mais je manque cruellement de mouvement. C'est pour ça que j'aime bien avoir un petit HS qui double le mouvement, je crois. Mais t'as couru ou ah bah... pas? Non, j'ai pas encore couru, mais j'aurais pas le déplacement pour faire l'action que je voulais. Il faut augmenter le mouvement des archers. Hein. Ah ouais. Quoi? Oh, y'en a, il a payé son armure comme il fallait. Bon, y'en a, il a payé sa vie tout court en fait, comme il fallait. Lui, on s'en fout. Il va mourir. Moi, je serais toi, je rejouerais tirailleuse hein, pour les amocher, ouais. Les pousser, les dégommer. Parce que là, je pense qu'il y a moyen que tu te fasses une hache et un porc dans la même lancée, non? Ouais. L'abatteur et le sanglier, je crois. Ils sont sur la même ligne, non? Ça, ça s'appelle un misclick, monsieur. Ah, sad? Ouais. Très sad. Alors déjà, au revoir le loup, dans ce cas-là. Bon bah tant pis. C'était bien. Tant pis, oui. Mais je suis un peu dégoûté. Tire d'œil, ouais, Stevie en... bah je sais pas, moi... Bon, je peux jouer. Je passe des tours avec mes lieutenants, je peux passer des tours avec mes lieutenants... Enfin quoi, excuse-moi, je peux passer des tours avec mes lieutenants quand même. Quand même! Ah mais quelle indignité! Voyez-vous? On sort, connard, voilà. Et laisse les professionnels travailler. Bonne journée au gars qui veut rentrer là-dedans. Très bonne journée à lui. Tiens, il y en a un qui essaye. D'accord. Je crois qu'il a essayé. Voilà. Bah écoute, ouais, elle joue dans longtemps et c'est une archère. J'ai quelque chose qui peut aller le chercher. Moi j'ai. Moi aussi, bouge pas. Vas-y. Bougez pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut pour vous soigner. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Ceci est un massage des côtes. C'est pour attendrir le cochon avant de le manger, Taurus, il me demande toujours. Voilà, c'était efficace. Oh là 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 on a récupéré une faucille de lancer fantôme. Ouais. C'est au cas où tu n'aurais pas de main gauche, une pelisse de trappeur en armure légère. Oh, ça va t'intéresser, ça. Non, pas vraiment. Bah, 3% de critique à de volonté, c'est pas dégueulasse. Ouais. Ouais. Si je peux le mettre sur Edenal. Parce que la volonté peut augmenter aussi ton crit. Hein. Ouais, mais elle est moins bonne que celle d'Edenal. Après. Elle est moins bien que celle de Sophia. Oui, mais elle est moins bien par rapport aux critiques. Par rapport à l'armure. Par rapport à l'armure en soi. Mais je vais pouvoir mettre ça sur Mélanine. Sur Mélanine vraiment... okay. Ouais, sur Mélanine. Bon, il reste juste à réparer os de barde. Et ben, on est bon. Hein. On est bon, mes cochons. On est bon, mes lardons. Ouais. Tu voulais qu'on aille voir son château à lui, non? Non, du tout. Non, on s'en fout. On se casse. Non, mais par contre, on peut prendre le piton qui est juste là. Oh, il y a du bois. Tu as vu briller ce bois. Allez, viens. Il y a la justice là-bas. Hein. Allez, viens. Il se passe quoi par là? Fais-moi confiance. Ok. Moi, ça m'étonne que c'est une zone qu'on peut pas atteindre par piton, là, celle que je montre à YouTube. Mais c'est un décor. Celle-là, là-haut? Ouais. Si. Mais c'est juste que toi, t'as aucune mémoire, en fait. Non, mais je parle pas de la... C'est pas de ça que je parle, excuse-moi. Regarde, viens voir. Roll le bac si t'es pas pressé. Tiens, d'ailleurs, il y a un peu de métal qui traîne ici. Voilà, cette petite zone-là, ça m'étonne qu'on puisse pas l'atteindre. Mais je me demande si on peut pas, par un secret, en fait, si tu regardes les hauteurs, là, si on peut pas marcher sur les rebords, tout ça, pour l'atteindre, ou un truc comme ça, avec un piton. Ça me paraît très tendu, quand même. Je suis un mec énervé, j'ai envie d'essayer. Si t'as rien contre. Si, ça me paraît quand même très tendu. Ah, j'ai découvert un truc aussi. Quand tu cliques sur le piton en haut, ça te prend au niveau de la corde.
Ah ok, il vient chercher le bas. Okay. Ah oui, il y a ce fameux camp, on n'est pas retourné les voir depuis longtemps. Ouais, ça a rien à faire ici, n'est-ce pas? On y va, on y va. Okay, c'est ça, c'est la quête pour laquelle... Qui? Capitaine Hurst? Suis-je bête? Bien sûr, le Capitaine Hurst. Il n'y avait que vous pour vous cacher dans un groupe de mercenaires. Espèce de vieille fouine! Vous allez finir de mal parler de nous quand même, au moment donné, parce que... On va vous casser la gueule quand même. Ah, on n'a pas beaucoup de points par contre. Annulé! Ouais, mais merde. C'est... Allez, vas-y. Trop tard, combattre! Il y a du niveau 10 là. Duel! Oui, alors, on est niveau 9. On a des niveaux 9. On va souffrir, hein. Ça va être trop dur le jeu. Est-ce que tu veux passer en difficulté extrême? Non. Les combats? Non, pas spécialement, parce que j'ai pas envie qu'on passe une éternité sur les combats, qu'on se retrouve avec des cadavres partout. L'idée, c'est quand même de jouer, faire un tour du jeu, montrer tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Pas tryhard souffrir pour souffrir. Je sais qu'il y en a qui le font, je sais qu'il y en a d'ailleurs qui adorent ça. Je le fais, moi. Je sais que tu adores souffrir, Shinai, tu adores. Moi j'ai un mot de mur juste ici là. Oh. Non, c'est dommage. Là. Ah putain, j'ai plus de héros de l'œil, voilà l'arc dont je te parlais. Ah, c'est celui que tu veux qu'on aille chercher. Bon. Plus 43 de dextérité. Il est sur dégâts qui? Dégâts triplés. Sur le messager là. Le messager. Seul le messager le passe. Mais ça, c'est Vega, ça. Il compte, monsieur. Je connais pas ses propres boys. Ah, est-ce que je te laisserai un Stevie avec la lance derrière? Tac! Il touchera jamais rien avec ça. Sauf si on se fait courser par un mec. Bon, mauvaise idée. Les courteliers ici, mauvaise idée. Je vais les mettre de l'autre côté. Il y a de la place hein, par chez moi. Hein. Si ouais, hein. Et ben je pense que je vais mettre les trois archers là-haut. Je peux même déplacer ma Vig parce que bon, ma Vig c'est quand même un tank donc voilà, je peux te laisser de la place autour de leur chef. Les trois archers seront là. Ça c'est pas mal. Et je n'ai pas vu donc The Messenger. En bas à droite. Ah, c'est bon, je le vois. Œil de l'héros. Héros de l'œil. Waouh. Avec l'arc à 30 à 50% de deg. Avec 43 de critique. Mm-mm. Pas mal hein. Ouais. Ouais, pas mal. Pas mal joli. Eh bien, si j'ouvrais le bal avec un gros. Ouais, vas-y. Fais gaffe à ton déplacement, hein. Tant que t'as pas pété une armure, il est pas doublé. C'est bon, il est doublé. c'est comment là? C'est mieux, chef? Putain, les critiques que tu fais par contre. Faut vraiment qu'on arrive à trouver le chou farci. Oh, le petit bâtard, j'arrive pas à l'avoir. Et si je me mettais plutôt comme ça, plutôt que d'essayer d'avoir l'autre coutelier nul, je vais avoir un torchiste. Bon bah lui jouera plus. Hein. Je crois que lui non plus. Moi t'as mis 10 ans. Hein. Au hasard. Moi je trouve méga bien. Ouais, je m'en doutais un peu. Ce qui est énorme, c'est que c'est un seul gars qui en bute 3 d'un coup. Bon bah Mélanine elle fait pareil hein. Pas Mélanine Ah Mélanine si maintenant. Mélanine si maintenant. Oui maintenant oui. Maintenant qu'elle a été refondue. Aïe. Il a plus mal. Il aura plus jamais mal, crois-moi bien. je vais l'embrouiller les gens là un peu là. Il aura plus jamais mal. Bah je sais même pas s'il reste un atome. Je sais même pas s'il a eu mal hein. S'il a eu le temps d'avoir mal, c'est même pas dit. Alors t'as pas beaucoup de points, mais est-ce que tu veux dégommer un zélote avec Melanine par exemple? Avec Melanine, ça peut s'envisager. C'est toi qui vois. Premier couteau. Pas mal, joli. Il s'est défendu. Second couteau. Vrai couteau. Et dernier couteau. Et après le cuisinier et Harald de ne jamais trouver plus aucun couteau à bourron dans le camp. Je sais pas où ils sont. Tout bouffé. Voilà. L'autre c'est un petit fanatique. Ouais mais sa mère. Des points. Personne, donc si que ça tu veux donner des puntos. Est-ce qu'un lieutenant Will n'utiliserait pas son ordre de mission en venant se placer là? Ah, c'est pas ça déconnant. Sur Edenal tirailleuse, ça fait une personne supplémentaire. Là, la prochaine personne qui joue, c'est lui, donc c'est pas réellement. Ah, j'ai pas.
J'ai pas tirailleuse. Par contre, pas tirailleuse que... Ouais, par contre peut-être que si je me place bien... Est-ce que... Ouais, je peux avoir... Je peux avoir Stevillon avec. Ah bah vas-y. Ah si, j'ai tirailleuse, excuse-moi, je confonds du coup tirailleuse vu qu'ils ont changé d'armure. Tirailleuse et Zinlan. Ouais. Ils ont changé leurs armures. Habitué à ce que le petit jaune ce soit... Voilà, on a déjà gagné un point. J'y vais, toi. Le prochain à jouer, il va aller sur Os de Bard. Vas-y. C'est pas très grave. Ouais, y a plus grave hein, qu'un mec qui veut percuter Os de Bard. Hein. Y a plus grave qu'un suicidaire qui a envie d'aller le percuter. Edenal et Montmur sont maintenant meilleurs amis du monde. Point, 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 point. J'ai toujours pas réussi à déclencher une romance ou un truc du genre. Bah actuellement moi non plus. Alors est-ce que je lui lamasse sa gale de base ou est-ce que je lui pète un... Oh. Bah comme ça au moins tu t'engages. Il faut que je trouve ce bouclier sur ma partie. Clairement il faut que je le trouve, il est trop drôle. Et bah maintenant tu peux aller engager lui si tu veux. Exactement. Engagez-vous, qui disait engagez-vous. Ou alors, il atteint à mon beau mur, lui il atteint. Non, je voulais dire Os de Bard, ouais, il atteint Os de Bard. Oui, oui. Je me serais bien mis à côté d'Os de Bard. Et s'il engage, en plus, il va lui mettre une attaque d'opportunité. C'est l'intérêt de cette hache. À demain. C'est moi qui l'ai engagé. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Baisse les yeux. Zblu! Zblu! Alors, elle est où ta riposte? Elle est où ta riposte? Bah, il en a pas, je crois. Ah, il en a plus là, il y a plus rien. Il y a un mec qui va jouer, il y a un zélote qui va jouer. Est-ce que tu veux lui expliquer des choses ou est-ce que tu veux que je lui mette une Mavic dans la gueule? Bon, va lui mettre une Mavic dans la gueule. Hein. Je lui mets une Mavic dans la gueule? Allez. Ouais. S'il y a que ça pour vous faire plaisir, est-ce que je peux vous engager avec un gros coup de marteau? J'ai une force inférieure à la tienne, t'es en train de me dire là? Ouais, bah oui, il a 53 de force. On n'a pas pris de repas de Hericog. On a toujours a pas le Hericog de bouton. 53 aussi là. Je suis à 49, pas... putain. Ah oui, c'est vrai que je suis nul. C'est vrai qu'on l'a bourré en constite, hein. C'est la douleur. C'est ça. On devrait peut-être finalement la virer pour prendre quelqu'un de plus puissant. Non, après, virer sa masse et la donner à quelqu'un de plus puissant. En force, oui. C'est-à-dire qu'on rebasculerait Os de Bard de... En masse, masse into shield. Ouais, ça peut être marrant. Du coup, lui c'est le prochain à jouer, donc je pars sur une déviation. Que voilà. Os de Bard, attends, il a combien en force là de base? De base, 84, mais il a une masse qui donne 35 et la masse à une main, elle donne 24. Ouais, donc il perdrait 11. Ouais, il en aurait quand même plus. Putain, j'ai vraiment peu de déplacement, ça me fait trop bizarre par rapport à ma partie. Et si on jouait quelques archers, ils sont là pour ça aussi, pour être joués. Peut-être déplace plutôt une tirailleuse ou un Zinlan, des mecs, on va dire, solitaires, si je puis dire. Qui ne donnent pas de bonus aux... Ouais, c'est ce que aux alliés. Ah mais Zinlan, s'il avance pas plus, il sera pas hyper utile. Ouais, non mais il va avancer le plus possible. Hein. Bonjour monsieur. Pointez-moi bien votre dos. Merci. Bon franchement, il aurait pu laisser ça des couteaux. Mais bon. Ouais, bah il avait rien. Alors là par contre, la zone, je la mets où? Bah je pense que t'en mets pas en vrai. Non, vaut mieux ils pas. Ils sont tous trop loin, en fait, par rapport à ta position. Je vais t'amener ça, par exemple, gentiment. Ouais, écoute, je pense réellement que je vais nous prendre un deuxième hachiste. Un troisième à la hache. Non, deux. Oui, un deuxième. On a que Taurus. On a que Taurus. Mais lui, il va vraiment être un bouffeur de points, hein, le gars que je vais prendre. Ouais, mais t'es mignon, c'est compliqué hein, les points.
Tu rigoles, mais les points, si on s'organise pas pour faire du build de points, les points de base, ça descend très très vite. Hein. Est-ce que je peux faire une petite blague, s'il te plaît? Juste une petite blague. Oui, vas-y, vas-y. Merci. Tu peux même tirer sur un de mes gars, hein, je m'en fous. Hein, faut que, faut qu'il devienne blindé. Hein, c'est pas ça, c'est... Bonjour, poutre. Oh, bon, la tirailleuse, la relation s'est améliorée, monsieur. Voilà, c'était juste la blague. J'aime bien, en vrai, avec avec cet arc-là, quand je vois une belle ligne... Après, tu peux pas courir pour tirer plus? Si, je peux courir, mais j'allais pas passer. Ah ouais, tu peux même lui mettre un tir de recul, à qui tu veux d'ailleurs. Genre petit fanatique, si t'as envie, n'importe qui. Bon, il a 25% de chance de le prendre, vas-y. Il l'a pris. Allez. T'as combien de chance de critique, toi? 45? Ah ouais, d'accord. C'est pas ouf, hein, quand même. Putain, c'est mieux qu'un mec qui a 79,9, qui arrive toujours pas à faire de critique, en fait. Il a pas autant, il a que 62. Il a que 62% de chance de coup critique. Est-ce qu'on tente un ordre de Taurus, quand même? Oui, ça se tente, oui. J'aurais pas tout le monde, hein. Bah, là... Après que tu fasses ça, moi je vais envoyer un couteau charcuté de deux archers, hein. Je te préviens tout de suite. Hein. J'envoie un couteau charcutier là. Allô. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais vraiment pas faire de dégâts. T'as l'air d'être bien parti. Ouais. Oh putain. Pourquoi t'as aucun crit qui sort là? Bah je sais pas. Putain, eh hey, mais C'est une blague? C'est une immense blague. Bah écoute, on m'a dit merde. Hein. Hop, j'avance. Je peux faire ça. Et générer 2 points. Tu vois, regarde, tu dis qu'on est large en points, regarde ce qu'il nous reste comme points. Ouais, parce que j'en ai bouffé 2 avec Sophia. Ouais, mais tu vois, si par exemple on veut forcer avec nos bonhommes, leur permettre de courir, aller au front et les déplacer comme on veut, ouais. En vrai, on suce tous nos points. Hein. Et bah, je suis pas sûr qu'un gars de plus soit très très pertinent. Le gars en soi que je veux, c'est un mec qui va bouffer 2 points, mais qui va donner l'inspiration à tout le monde, donc doubler le déplacement de tout le monde sur toute la map pendant un tour. Donc, niveau déplacement, tu vois ce que je veux dire? T'as plus besoin d'utiliser de course ou quoi que ce soit, de te remplacer. J'entends, mais ça veut dire qu'on a, on s'est fait chier à... Merde, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? C'est bon, bien que je veux bouger. Voilà, merci. À mettre la course sur tout le monde. Qu'on s'est fait chier à claquer du mouvement dans nos gars un peu pour rien, quoi. Non, parce que après, toujours... En fait, 14 de mouvement doublé, c'est pas mauvais, quoi. Mais tu te déplaces vite, quand tu vois, comme là, on s'est tous placés là, les archers, ils ont servi à rien. Je les aurais laissés là, ça aurait été très bien. Mais des archers, tu les mets toujours loin du fight. C'est logique. Oui, mais là, mes archers n'ont servi strictement... qu'à mettre 2 flèches et puis basta, hein, ça... Te trompe pas de mec à déplacer, s'il te plaît. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un mec à tuer avant qu'il joue, au passage. On a deux places. Oui, on a 2 places, mais idéalement. Oui, non, mais je sais très bien qui je veux. Pas quelqu'un avant. Pourquoi tu voudrais que je les soigne? Bah est-ce que, sur os de barde, si tu te places bien, tu peux pas lancer ton couteau sur le fanatique? C'est une question comme ça. Fait d'une pierre 2 coups, tu vois. On devient pote avec le poney du groupe et on peut planter quelqu'un. Ou c'est trop juste? C'est trop juste. Mais bon, je peux quand même soigner. On va peut-être économiser le point. Dans le dos, je suis à 100%, donc... Donne-moi un point. Merci. Peut-être l'autre fanatique est plus simple pour toi. Hein.
Armure déjà entamée. Ouais, après moi c'est de la distance, hein, regarde. Pop. Ah, j'aurais dû m'approcher un peu. Du coup, ouais, t'as pas pu mettre le deuxième couteau. Ouais. Mais là, je le mets. Bon, c'est pas grave. Et t'as aucune attaque de close? Si, j'ai déjà utilisé. Ah, ah oui, ok. J'aurais joué Tyrius pour le tuer. Hein. Ah, oui. Parce que il n'a pas le Zen n'a pas le bonus de kill. Si. Non, il n'a pas le. Ah, il n'a pas. Oui. Il n'a pas l'ordre, si tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, je peux juste le mettre sur l'inquisitrice, hein, Zinlazan. Ah non, mais il fallait tuer le bonhomme, hein, sinon. Oui, mais on a un tour. Rien ne t'empêchait de poser une zone pour l'inquisitrice, d'ailleurs. 2 points pour une personne. Oui, mais pour la personne la plus blindée du groupe, quand même. Galvanisé. Ah, je peux pas mettre d'auto-attaque. Ah, attends. Je me décale. Parfaite décalade. Eh, ça aurait été bien si ça avait mis un critique. Mais non. Non. Bon, elle a pas beaucoup de chance de critique. Critique, hein, elle en a que 45. Il va falloir la ponquer au close, hein. Ouais. Bon, après, attends, on a le temps attends, j'ai pas un lancier qui peut faire des dingues. Moi, je pense que oui. On va la buter, hein, ponk là au close et j'envoie Sophia. Non, mais hein. je pense qu'on va utiliser la puissance vénérable des lanciers. Ouais. Non, elle a pas. Hein, elle a pas transformé. Bah, elle va se diriger sur Sophia. Si on la laisse jouer. Ah merde. Attends, t'es sûr qu'elle peut atteindre Sophie, hein? Ah oui, elle peut atteindre Sophie, hein. Ok. Et eh ben, t'as le moins de force, hein, c'est dommage. Par contre, elle a été affaiblie, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. J'ai envie de la forcer à venir. Ah bah non, sinon je la laisse comme ça. Toi t'as des trucs pour la... T'as encore un couteau ou pas? Ouais, on regarde. Bah si, j'ai Sophia. Ah bah vas-y. Bonjour. Non mais, tu peux faire des critiques s'il te plaît dans le dos? Tu veux bien? Arrête ouais, de faire... Arrête de prendre des exemples de Zinlen quoi. Au boulot. Regarde. T'en es ferme? Ah bon, non, il va mourir. Bon, ces couteaux-là, ces couteaux-là ne font pas de critique, hein. Seulement s'il y a une vulnérabilité. Ah, par contre, pas. Il n'y a pas eu de critique encore. Ah, tiens, on a eu l'arc. Et en plus, en deux étoiles, 52 de dextérité. Joli, hein. On l'a eu 2 étoiles. Ah, vas-y, récupère, hein, l'épée du chevalier, ouais. Tout. Je vais poser la fourrure. Ah, l'épée de chevalier, c'est cool aussi. Par là. Hop là, le vin c'est pour picole. Ma gueule. Et récupère l'épée. Hein. Non, j'en veux pas déjà cette merde. Ça sert à rien. On la désosse ou on la laisse. On la vend parce que c'est 10% de valeur supplémentaire. Ah, je te laisse seul mettre à bord. Ah. Et il y a encore une épée là. Bon, celle-là, une je main. La désosse, par contre. Oui, les deux sont à une main. Ah, j'ai pas regardé. Ah, du bah, coup, ça vaut quoi? Ça désengage, ça vaut quoi comme épée? Non, ça. Quand... C'est une attaque de zone qui met le feu. Ah oui, ouais. Juste pour regarder les statistiquement, parce que ça vaut 30, je tabasse à 24 plus 10% de crit grâce aux huiles. Et c'est quand même beaucoup plus fort que mon épée. Hein. Bah, on a les huiles. Hein, frappe consacrée, inflige 80% de la force. Là, j'inflige entre 54 et 68. Donc entre 70% probablement et 100% de ma force avec l'épée de base. Hein. C'est ça. Taillade. Si je la prends, que je la compare là. On a des huiles un peu sous le coude ou pas du tout?
Non, mais on n'est pas loin du château de Vernalis où il y a un apothicaire, si jamais. Mais attends, pourquoi je fais moins de dégâts avec celle-là? Laquelle? Si c'est que le Bint. La frappe consacrée fait moins mal comme épée de base. Oui. Que mon épée. Oui. Et pourquoi? Frappe consacrée. Mais. Du... 80% de dégâts, fixe. Oui. Ah oui, moi je monte à 100%. C'est pour ça. Tu peux monter jusqu'à 100%. Mais comme tu peux taper deux personnes. Ou 3, tu vois comment t'es placé. Oui, c'est pas mal. Donc ça brise pas ma riposte ni rien. C'est pas vilain. Non. Je pense que bah je te donne ça du coup. Merci. C'est moi. Est-ce que bah, pendant que tu réfléchis, je vais couper du bois. Ouais. Et après, manière. Faudra parler. Thierry. Musculeuse. Je lui fais mal. Aïe. J'ai un tour de poil pubien. Voilà. 5 de bois, j'ai été scandaleusement mauvais. Allez, on parle au capitaine. Octavia. I did not think I would ever see her again, but her presence here confirms one thing. The Inquisition is funding Vernalis. L'Inquisition finance Vernalis. Oui, c'est possible. Well, they used to anyway. Now that we know who Vernalis' allies are, we can increase our presence at the border and keep a close eye on the churches and monasteries. As for the crowns the Inquisitors were kind enough to leave us, I will take them to Count Lahart. Here is your share. No mercenary has ever proven... Oh, moi je vois un truc. Il est tout seul, hein. Il est tout seul, hein. Il est tout seul en isolé, hein. Il est tout seul en isolé, on est d'accord, hein. Moi je comprends. Désolé, mais mec... Ah oui, mec. Le mec est en train de dire, je vais prendre les 300 balles, pardon. Tu vas prendre quoi? Alors, tu vas te prendre la masse d'os de barbe dans la gueule. Ah, c'est vrai qu'on gagne avec 3, on commence avec 3 points. Bon, ouais. Resserrer tout le monde devant, hein. On va lui casser le cul. Hein. Vas-y, je te laisse... Avance tes archers peut-être, non? Oh, franchement, je pense qu'on... Ah tiens, on va tester l'épée de feu du capitaine. Ouais, vas-y. Je me cale un peu comme ça quelqu'un peut passer un peu partout. On a donc dit. Ah, t'as pas mis en feu? Bah non, ça l'a pas enflammé. Ah, si une attaque touche plusieurs unités, crée un feu sous chacune d'elles. Ok. Il faut que ça touche plusieurs unités. Okay. Par contre, c'est sous chacune d'elles, donc je suis un peu moins fan parce que j'ai l'impression que ça crée une zone de feu et que ça enflamme pas le mec, tu vois. Genre, si le gars bouge et que quelqu'un d'autre marche dedans, c'est un peu ça, quoi. À tester. On le termine tout de suite ou pas? Oui, vas-y, bousille-le, y a rien à voir. En plus, il est équipé comme un péon, tuez-le. Merci d'être passé. C'est un suicide. Avec trois couteaux dans le dos, suicide. Trois couteaux, t'es sûr? Ouais, je crois. Ouais, il doit en rester trois. Que trois. Parce que... Ouais, c'est vous avez ça. Tué le commandant de Host, espérons que cela ne sache... ne se sache pas trop. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, c'est un détail. Ah, on peut l'inspecter? Ouais, il a une lance. Quoi? Inflige 4 fois 30% de dégâts, ça a l'air d'être de la bonne grosse merde. Bah ça met 120% de la force. Il y a des trucs à crocheter. Ouais. Bah je vais faire ça. Il y aura 2$ dedans. Ouais, il va s'en arriver la méga baise. Je pense qu'il y a 100$ dans chacune d'elles. Voilà, 100 balles. T'entends pas un chien marcher derrière? Non, on n'entend pas ma peluche.
Encore 100 balles. Là. Ah, excuse-moi, c'est parce qu'après tu le laisses ouvert quand tu vas crocheter. Ça m'en fout. J'ai pas toujours ouvert. Compagnon aussi, hein, toi, sur le crochetage. Hein. Ouais. Alors, on est. D'ailleurs, j'ai atteint le rang 9 sur 3 trucs. Il hein. Y a rien de plus après le niveau 7. Hein. Pour le moment. Je pense que ça va être développé encore un peu plus. Okay. Voilà. Il y a d'autres trucs à vérifier. Il y avait pas. On pouvait pas fouiller le cadavre. Si, mais on l'a looté. Ça y est, on l'a looté, le monsieur. Alors, okay. Influenceur. Nous sommes des influenceurs, t'as vu, on fait du gaming et doigts de fée. Voilà. Cool. Puisque t'es un champion et du crochetage. Campement, il faut qu'on aille se reposer. C'est l'heure de la pause. En espérant qu'il n'y ait pas trop de flics au mètre carré. Alors là, par contre. Bon, nous verrons bien, hein. Voilà. Le jeu il rame ou c'est moi? Le jeu il rame. Ouais. Ah, le jeu il souffre. Ah, c'est parce que j'ai. Non, c'est parce que j'ai balancé directement le campement pour pas se faire surprendre. D'autres pour ça. On a des gens à mettre. Hop. Sur la viandasse, vite fait là. Ouais. Je désosse les trucs. Qui nous servent je dois prendre du coup ce l'épée. Figure. L'épée droite. Tu peux contrôler mes persos là? Tu peux les déplacer toi? Non, j'essaie de voir mais je crois pas en fait. Non, je désosse pas encore l'épée droite en givracier. Ok. Oui, pour tester l'arme de l'autre là. Ouais. Je suis pas convaincu. Sophia, tu veux la mettre où? Non, trop tard, c'est moi j'ai géré. J'ai mis quelqu'un d'autre, t'inquiète. Welcoff, je voudrais organiser et mettre des trucs. Alors ça dégage, j'ai récupéré du bordel. Tac, ça va là. Je garde les stuff. Ah, j'ai oublié de désosser l'armure. Voilà. Oui, je vais verser 304 dollars, oui, il n'y a pas de soucis. Hein. Tu peux, bonhomme. Ça, deux gnoules, de la viandasse, on se repose, histoire de fester ça. On a nettoyé la région. Ouais. Ah, on a nettoyé dans les coups. Tu vois, bah, le vernalisme nous fait. Ouais, on peut payer, hein. Payer quoi? Vous êtes recherché pour de nombreux crimes. C'est les flics, ça? Ouais, c'est les flics, ça. Attaque de la patrouille de la garde, 200 balles. Vol du poste frontière, 20 dollars. Vol au centre d'entraînement de la Fartinanité, 40 dollars. Ouais, on peut aussi leur casser le cul. Ils vont avoir des renforts. On a 4. Bon, allez, c'est vraiment pour récupérer la taxe sur les seigneurs locaux. Hein. Putain, c'est une opération à 40 balles, du coup. On s'est fait douiller notre petit meurtre tranquille entre amis. C'est bon, j'ai récupéré. Osdebard a des choses à dire. Osdebard, il a des choses à dire. Ah merde, bougez pas. Excusez-moi. Je peux récupérer un gros. Je vais le mettre par là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Avec mes prouesses lors du dernier combat, les autres doivent me considérer comme le meilleur d'entre eux et ils n'auraient pas tort. J'aime bien comment c'est très. Très joli. Bon, je vais prendre un peu d'XP, hein. Vas-y, hein, il est en retard, ouais. Lui. Hein. Bon, pas trop, c'est un peu le... Enfin, je pense que ça va, en vrai. Je pense que c'est un peu le mec qui est en tête. 1050 euros, je pense pas, hein. Je pense que t'en as qui sont même tarot, hein. Ouais. Ah, non, j'en ai un peu plus que... C'est qui, ça? Sophia, j'en ai un peu plus que Sophia. Mon mur, 660... Ah oui, putain, c'est le lead de tête, hein. Ah oui, en fait, c'est le lead de tête, ok. Il a 500 XP de plus que les autres, ok. Ah oui, bah, global. Bah oui, en même temps, je viens de prendre 460, donc yes. Logique sur 20. Et ben, des bisous, ton tube. Des bisous, ton tube. C'était la fin de Cortia, on les a nettoyés, hein, comme il fallait. Non, il nous reste la quête finale. La quête finale? Ah, mais dans un autre épisode, ça. Eh bah ouais. Bon, bisous, hein. Des bisous.